Bonjour à tous, c'est parti pour l'actu au second degré, c'est la fin de semaine, nous sommes vendredi 25 avril 2014 et aujourd'hui, c'est la fin de semaine, donc c'est le top 4 des infos à retenir ou pas cette semaine. Et on va commencer avec la quatrième position, vous en avez forcément entendu parler, c'est Rof et Booba, la guerre. Alors les deux rappeurs se font vraiment la guerre, c'est vraiment pas le grand amour entre eux, Rof s'en est pris... Voilà, un employé de la boutique de Booba, ou c'est l'inverse, je ne sais même plus à vrai dire, parce que sincèrement, rien que d'en parler, ça m'ennuie. Voilà, donc j'ai envie de dire next. Quatrième position, troisième position même, Ségolène Royal, on en a parlé assez longuement hier, qui interdirait les décolletés à son ministère. Une rumeur, bien sûr, auquel cas, si ce n'était pas une rumeur, ça s'appellerait le ministère de Dieu, à mon avis. Et en deuxième position, on retrouve Nabila. Eh oui, Nabila, qui pourrait faire du cinéma. Une réalisatrice aimerait la faire tourner au cinéma. Et ça, franchement, ça mérite bien la deuxième place. Moi, je dis non ! Comme quelqu'un qui se réveille d'un cauchemar. Voilà, c'est bien limité, hein, le réveil du cauchemar. Non ! Puis avec la sueur et tout. Et du coup, voilà, c'est la deuxième position. Et en première position, elle est pour Afida Turner. Afida Turner, vous savez, la salade frisée, oui, qui a fait Loft Story. Ah, Afida Turner, c'est un phénomène. Hein. Si vous ne la connaissez pas, allez chercher sur Google Afida Turner. Vous allez voir, c'est du délice. Elle a annoncé, dans l'émission Toute une histoire de Sophie d'avant, qu'elle aimerait avoir des enfants. Qu'elle aimerait avoir des enfants. En particulier, une fille. Oh, on imagine bien ce que pourrait... une fille d'Afida Turner, à quoi ça pourrait ressembler. Par pitié, empêchez-la. Il faut l'empêcher d'avoir des enfants. Non, pour le bien de l'humanité, il ne faut absolument pas qu'Afida Turner ait des enfants. S'il vous plaît, Afida Turner qui a des enfants. Nabila qui va faire peut-être du cinéma. Ségolène Royal qui interdit les décolletés au gouvernement. Rof et Booba qui ne s'entendent pas. Mais c'est vraiment une semaine de merde. Et je vous souhaite donc un très bon week-end et je vous retrouve bien évidemment dès lundi. Oui, je suis fou. Oui, clairement, je suis fou. Si ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de me regarder. Ciao !